Hé, là, petit! Qu'est-ce que tu penses de mon ami effrayant? Qu'est-ce que tu as fait, petit? Je me sens... J'ai peur des citrouilles! Et le prix de la citrouille d'Halloween la plus effrayante revient à... 哦,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 
pas assez rapide. Morphel, change-toi en... voiture de police. Super rapide. Oh non, cours! Où sont-ils passés? Je suis sûre qu'ils sont partis par là. Hein? Regarde, Morphel, ils sont derrière nous maintenant. Mais comment ça se fait? On vous tient maintenant. Double tout n'est pas avec eux, Morphel. Où avez-vous emmené Double tout? Double tout? Peut-être qu'il est avec les voleurs d'instruments de musique. Ou alors avec les voleurs de plumes. Beaucoup trop de voleurs. Ou peut-être qu'il est avec les voleurs de Morphel. Morphel, transforme-toi. Et nous, on est les bandits Sparadrap. Oui. Avec notre nouvelle bandit mobile, on peut utiliser les pouvoirs de n'importe quel animal magique. Pas besoin de s'en mettre. Pour lui donner des ordres, et avec double tout dedans, on peut créer des doubles de nous-mêmes. Pouah, des roues? Mais on ne veut pas être des voleurs des roues. Nous serons... des voleurs de trombones. Oui. Nous, les voleurs d'animaux magiques, avons volé Morphel. Super, transformons-le en bulldozer pour qu'il nous aide à voler toutes les roues des voitures. Oh non, transforme-le en pince à épiler pour que ce soit plus facile de déplumer. Ça ridicule, complètement idiote. C'est vous, les idiots. Oh, il y a plein de Morphel. Ya! Yeah. Morphel, transforme-toi en bulldozer. Morphel, change-toi en pince à épiler. Les Morphel ne font rien du tout. Bien sûr que non. C'est parce qu'il faut les mettre dans la bandit mobile. Ne fais pas ça. Si tu remplaces double tout, nos copies vont disparaître. S'échapper? Morphel à blanc? Change en quoi? Non, Morphel pas blanc. Tricycle. Non, pas assez rapide. Morphel besoin Mila. Enfin, maintenant, il faut absolument que je retrouve Morphel. Mila, Mila est de Morphel. Mila a trouvé plein. Te voilà, Morphel. Tu as raison. Mais il y a trop de voleurs. Et s'ils travaillent tous ensemble, on ne pourra jamais les arrêter. Voleurs pas travailler ensemble, voleurs se battent entre eux. Vraiment? Alors je pense qu'on a peut-être une chance. Morphel 1, transforme-toi en T-Rex. Transforme-toi en robot. Morphel 3, change-toi en éventail géant. Maintenant, les Morphel, débarrassez-nous de ces plumes. Oh non! Morphel 4, change-toi en tremplin. Double tout, il nous faut plus de plumes. Non, il faut plus de roues. Enfoie les roues. C'est une idée stupide. C'est toi, l'idée stupide. Non, il nous faut des roues. Des plumes. Eh bien, je crois que maintenant, on peut libérer Double tout. Au revoir.
Non, non, non. Ce n'est pas ce que nous devons faire. Si, nous devons faire ça. Morphle, change-toi en grand robot et attrapons ces bandits. Hé ! Quoi ? Oh, oh. Et puis, il y avait 4 Morphle et 4 des bandits. Et c'était vraiment excitant. Waouh ! Ça devait être effrayant. Nous, pas peur. Mais les bandits n'ont pas su travailler ensemble et se sont battus. Et pendant ce temps-là, on a pu sauver Doubletou. Et après, il n'y avait plus qu'un seul Morphle. 2 Morphle, 2 câlins. Oh. Hé, Yann. Oui, Stan. Je suis content que tu sois resté quand tous nos doubles ont disparu. Oh, moi aussi, Stan. Bonne nuit, Yann. Bonne nuit, Stan. Mila, Morphle, j'ai fait de la limonade. Limonade. Oh, wow, oups. Oh, oh, je nettoierai plus tard. Je veux vraiment terminer de lire mon livre. Que diriez-vous d'aller vous amuser ailleurs? Oui. D'accord. Je suis le professeur méchant. Monsieur Action est là pour t'arrêter. Morphle et Monsieur Action? Passionnant. Aïe! Débarrassons-nous de ça. Ok. Alors, où en étais-je? Tu n'as pas gagné, Monsieur Action, avec l'aide. Mais où est passé le coffre? Monsieur Action! Mais pourquoi as-tu enlevé le coffre? Morphle, pas bouger le coffre! Oh! Toi, Mila, à reconstruire! Je n'ai pas détruit ton immeuble stupide. Immeuble pas stupide. Mila stupide. Tu sais quoi? Eh bien maintenant, je vais aller jouer sans toi. Non, Morphle joue sans Mila. Morphle joue, pas Mila. Oui. Wesh. Quoi dessiner? Morphle aurait une idée, lui. C'était vraiment un super livre. Morphle, je suis désolée. Je n'aurais pas dû être si fâchée que tu casses le crayon sur mon dessin. Hein? Oh, c'était pas Morphle. C'était moi, par accident. Hein? Oh! As-tu aussi cassé la tour de Morphle? Oui. Et déplacé le coffre à jouets? Oui. Et cassé une meuble de bois? Sûrement. Mila Morphle a mis à nouveau? Bien sûr! Je suis désolé d'avoir fait tout ça. Je suis désolé que vous vous soyez disputé par ma faute. Est-ce que je suis toujours votre ami quand même? Bien sûr, papa. Yeah. Ah.
toi là, espèce de voleur. Volé la veille de Noël. Quel culot! Attendez, je ne suis pas un voleur, je suis le Père Noël. Bien sûr. Tu sais que le Père Noël transporte toujours des cadeaux, n'est-ce pas? Je viens de les déposer à l'intérieur. Regardez, les autres cadeaux sont juste là. Et voilà son complice. Quoi? Je viens d'arrêter un criminel. Le vrai Père Noël va penser que je suis un bon garçon, c'est sûr. Morphle? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Morphle, entends un bruit. Regarde. Je crois que c'est le traîneau du Père Noël. Mais où est le Père Noël? Morphle, Mila, trouve le Père Noël. Oui. Oh, le Père Noël est introuvable. Et il ne reste malheureusement plus que quelques heures avant le matin de Noël. Les cadeaux! Toi et moi devons aider le Père Noël, Morphle, en allant donner les cadeaux à tous les enfants. Cadeau est pour Sarah. Et celui-là est pour les parents de Sarah. Super! Prochain arrêt, la famille d'Agnès. Les prochains cadeaux sont pour Hugo et sa mère. Et pour le gardien du zoo qui est Ned. Et tous les animaux. Ah, tu vois, je t'avais dit qu'on aurait des cadeaux de Noël. Regarde, Stan, j'ai du charbon. Moi aussi. Et celui-là, c'est le dernier. C'est pour l'officier de police Freeze. Qui est là? Bonjour, officier de police Freeze. Morphle et moi sommes ici pour vous apporter votre cadeau de Noël. Super! Merci, Mila et Morphle. Voyons voir ce que c'est. Ah, une nouvelle paire! Juste ce dont j'avais besoin. Je viens juste d'utiliser celle que j'avais. Tu as attrapé un bandit? Non, Morphle. C'est quelqu'un en costume rouge avec une grande barbe blanche. Et il a un renne comme complice. Ça ressemble vraiment beaucoup à... Père Noël! Oh, bonjour, Morphle. Pourquoi avez-vous arrêté le Père Noël? Non, ce n'est pas le Père Noël. Il n'a même pas de cadeaux. Et le Père Noël, lui, il a des cadeaux. Oui, c'est ça. Regarde. Oh, vous... Vous êtes vraiment le Père Noël? Oh, je vais vous faire sortir. Je suis désolé de vous avoir mis en prison, Père Noël. Je ne vous avais pas reconnu sans vos cadeaux. Ne vous inquiétez pas, Peter. Heureusement, grâce à Mila et Morphle, tout le monde a quand même eu ses cadeaux. Oh, oh, oh! Joyeux Noël à tous! Regardez ça! Ma dernière invention peut transformer les humains en ours en peluche. Au revoir, Mila et Morphle. Maintenant, il est temps de me retransformer en humain. Oh non! Mais sans les mains, impossible d'utiliser ça. Tu as entendu ça, Yann? Oui, et j'adore les ours en peluche. Chut! Silence, Yann.
Nom d'une éprouvette. Mila, ourson peluche, le meilleur ourson. Bondi, ils ont la télécommande à ourson peluche. Qu'est-ce qui se passe? Nous devons les arrêter, Morphel. Transforme-toi en guépard super rapide. Hein? Oh, je ne peux pas me tenir sans les mains. Tu peux me tenir avec ta queue? Super! Allons-y! Oh non! Ah non! J'ai un rendez-vous bientôt! Oh! Et si tu me portais un peu? Pas dans ma ville. Regarde Stan! Essaye de te transformer toi aussi en ours en peluche! Maintenant, je suis un ours en peluche. Oh, tu es un ours en peluche tellement mignon. Super! Maintenant, nous pouvons retransformer tout le monde en commençant par l'officier Freeze. Ah, voilà qui est mieux. Mais pas pour vous deux. Oh, au moins, j'aurai un ours en peluche pour me tenir compagnie en prison. Les voilà, les montagnes russes les plus impressionnantes de tous les temps. Il y a des loopings, des virages géniaux, et elles vont très haut. Le seul problème, c'est que... Ah, il faut être grand comme ça pour monter. Voilà qui devrait te transformer en adulte. Mais es-tu bien certaine de vouloir faire ça, Mila? Absolument! Bien, alors, c'est parti! Oh! Mila est très grande! Mila? C'est toi? Oh non, je suis la tante de Mila. Wow, vous vous ressemblez tellement. En tout cas, vous êtes assez grande pour monter. Amusez-vous bien. Yeah! Ouais!
fin? Moi! Moi, moi, moi! Moi aussi! Je suis vraiment désolée, mademoiselle, mais vous êtes bien trop grande pour monter ce dauphin. Mais vous ne pouvez pas entrer en classe. Je suis la tante de Mila. Ah, j'ai entendu parler de vous. Ravie de vous rencontrer, mais Mila n'est pas là. Je dois retourner en classe maintenant. Au revoir. Ah. Être adulte commence à devenir très ennuyeux. Il s'agit d'une cour de récréation pour enfants, mademoiselle. Je vais devoir vous donner une amende. Oh, je suis désolée, mais je ne peux pas payer ça. Je n'ai pas d'argent. Alors, je vous suggère de trouver un travail. J'en ai assez. Je ne veux plus être une grande personne. Tu es sûre que tu veux redevenir une petite fille? Je n'ai jamais été aussi sûre de ma vie. Était vert. Blanc. Toutes ces choses n'ont plus de couleur. Comme moi. Oh, 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 oh. Ah ah. Mais alors, c'est donc toi qui voles toutes les couleurs de la ville. Tu ne devrais pas faire ça. Un monde sans couleurs, ce n'est pas du tout amusant. Oh, tigre rigolo. Oui, c'est rigolo. Et si nous peignons d'autres animaux dans des couleurs?
aventure amusante, oui. Tu es là, Chromatique? Je te cherchais. Il y a beaucoup de problèmes dans la ville parce que tu as enlevé toutes les couleurs. Morphe peut aider Chromatique à tout repeindre dans les couleurs d'origine. Hey, notre camion de pompiers a perdu sa couleur. Morphe et Chromatique vont vous aider. Non, Morphe. Un camion de pompiers est toujours rouge. Comme toi. Merci beaucoup, Morphe et Chromatique. Salut, monstre des nuages. Oh. Eh bien, il semble que vous aviez raison. Allez-y. Waouh, tu as déjà résolu tous les problèmes de la ville. Morphle et Chromatique font une sacrée belle équipe. Chromatique aime vraiment colorier. Bien sûr qu'il aime. Oh, j'ai une idée. Chromatique, tu aimerais avoir un ami humain qui aime les couleurs comme toi? Incroyable! Tu es l'animal magique parfait pour un peintre comme moi. Hein? Salut, Mila et... Morphle. Il semble que j'ai la grippe et je suis incapable de travailler. Est-ce que nous pouvons vous aider, Monsieur Joe? Morphle aide. Ces véhicules doivent être livrés à leur propriétaire rapidement, mais... Arrête! J'avais cette liste. Oh-oh! Tous les noms des propriétaires des véhicules sont tachés. Mais je pense qu'on peut encore trouver une solution. Morphle, transforme-toi en un énorme camion rouge. Je pense que le tracteur doit aller à l'officier de police Freeze. Officier police Freeze a besoin de tracteur? Oui, je crois que c'est ce qui est écrit sur la liste. Mais ça... Je suis désolée, officier de police Freeze, mais nous sommes pressés. Hein?
Oh non, je pense que nous avons fait une erreur, Marfel. Transforme-toi en voiture de police aussi. Marfel les attrape. Salut, Mila et Marfel. Comment ça s'est passé? Tout a bien été livré, Monsieur Joe. Super. Est-ce que la liste a été utile? Eh bien... Ne t'inquiète pas, Morphel va retrouver ses pouvoirs magiques dans 10 secondes. Voici Nulli, c'est un nouvel animal magique. Il peut temporairement prendre les pouvoirs magiques des autres animaux du magasin. C'est pourquoi je ne peux pas le garder avec les autres animaux magiques dans le magasin. Est-ce que vous pouvez tous les deux le surveiller pour moi? Bien sûr, papa. Nous pouvons jouer à cache-cache ensemble. Ok, à plus tard. Tu as entendu ça? Avec ce nouvel animal magique, nous allons enfin pouvoir vaincre Marfel. Oh non! Marfel, transforme-toi en robot géant! Pas cette fois! Où sont-ils? Ce frigo est très rouge. Tu ne trouves pas? Zappe-le! On vous a trouvé! Cours, Marfel! Pour te cacher. Morphel ne peut pas encore se transformer. Oh non, nous devons attendre. Maintenant, on vous tient. Morphel, transforme-toi en un... Vous ne pouvez rien faire. Un miroir. Maintenant, tu ne pourras plus utiliser ces pouvoirs magiques pendant 10 secondes. Oh non! Morphel, transforme-toi en un robot géant. Oh, c'est pas... Cours, Stan! Cours! Marfel, je veux jouer au conducteur de train. Transforme-toi en train.
Qu'est-ce qu'il y a, oncle Wilfert? Eh ben, ma voiture est tombée en panne. Maintenant, je ne peux plus faire mon safari photo et prendre des photos de tous ces animaux. Mais, oncle Wilfert, tu peux venir avec nous. Nous pouvons t'emmener partout où tu veux aller. Oh, merci beaucoup, Mila et Murfel. Si on allait à la mer. Ces photos vont être incroyables. Ouais. Mon appareil photo, rends-le-moi! S'il te plaît, rends-le-lui, singe! Wow! Ce singe a la même passion que moi pour la photographie. J'ai une idée! Il nous manque encore une photo. Une photo de groupe de nous tous. Tu veux bien prendre une photo de nous, le singe? C'est très gentil. Merci beaucoup de prendre soin de ces animaux effrayants pendant que le zoo est en rénovation. Aucun problème, Kenneth. Ils ne sont pas si effrayants une fois que l'on apprend à les connaître. Murfel, transforme-toi en camion. Vous voyez, ils se sentent déjà comme chez eux. Ils sont devenus complètement fous, Barky. On ne peut pas garder des animaux effrayants dans son jardin. Ils sont bien trop dangereux. Je crois qu'ils vont devoir l'apprendre d'une manière efficace.
Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi vous battez-vous? Allez, couchez. Ça suffit. Peut-être que ça n'était pas une très bonne idée d'amener les animaux ici, papa. Peut-être que tu as raison. S'ils continuent de se battre, nous n'aurons pas le choix. Il faudra les ramener au zoo. Donnons-leur de la nourriture. Peut-être que ça les calmera. Qu'allez-vous faire maintenant, stupides animaux? Non, 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 non! À l'aide! Attends-moi, Barky! Parce que ce sont de très mauvais animaux. À moi la vengeance. Hé, arrêtez! Les avez-vous provoqués pendant tout ce temps? Et alors, ce sont des animaux effrayants. Voilà, messieurs, comme vous l'avez commandé, beaucoup, beaucoup de robots. Parfait! Je suis heureux que vous ayez aimé les précédents, mais pourquoi avez-vous besoin de tout ça, si je peux me permettre? Pour rien, professeur. Et s'il vous plaît, continuez à en construire pour nous. Mila, je veux récupérer ma voiture jouée. Voiture jouée? Je n'ai pas ta voiture jouée, Hugo. Si tu l'as, je t'ai vu la prendre. Si tu ne me la rends pas, je vais le dire à ton père. Mila n'a pas de voiture jouée. Bien, comme tu voudras. Hugo, attends! Ah, te voilà, Mila. J'étais en route pour un rendez-vous très important et tu m'as jeté de la boue. Mais je n'aurais jamais fait ça. Maintenant, je dois rentrer à la maison et me changer. Mais je n'en ai pas fini avec toi, jeune fille. C'est de la folie, Morphel. Nous devons découvrir ce qui se passe. Transforme-toi en hélicoptère. Morphel, regarde! Oh, Mila fait du désordre. Oh, Morphel, ce n'est pas moi, je suis juste là. Oh. Ce doit être un robot. Poursuis-le, Morphel. Transforme-toi en aimant. Allons le mettre en prison. L'officier Latole saura quoi faire. Officier Latole, nous avons attrapé un robot qui cause des problèmes. Tu veux dire, comme celui-là? Hein? Quoi? Combien y en a-t-il? Professeur, nous avons besoin de plus et des robots. Moi, je travaille aussi vite que je peux.
bobos sont partis par là. Là, là, beaucoup de Mila. Va nous chercher des glaces, robot. Ok. Il faut qu'on récupère cette télécommande, Morphle. J'ai une bonne idée. Suis-moi. Regarde, c'est Morphle. 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 Attrapez-le. Où vas-tu comme ça, petit robot? Mais qu'est-ce que... Tous les robots, attrapez les bandits! Non! 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 Et bien sûr, vous étiez derrière tout ça! C'est vraiment étroit ici, Stan! Non, bougez, les non, robots! Glace! Non! Non! Morphle, transforme-toi en train! Amusez-vous bien à la plage, tout le monde! Maintenant, le lion a disparu aussi. Mais où a-t-il bien pu aller? Morphle sait pas. Et maintenant, c'est la girafe qui a disparu. Voleur. Oui, on dirait bien. Ces bandits ont dû les enlever. Nous devons les trouver. Ah! Vous voilà, voleur. Qu'avez-vous fait de tous les animaux? Hein? Quels animaux? Les animaux qui étaient dans les wagons et qui ont disparu. Demande plutôt à tes singes pourquoi ils font ça. Troisième singe. Oh oh,
inquiétez pas, on les trouvera aussi. Te voilà! Ce n'est pas drôle d'être seul, n'est-ce pas? Maintenant que vous êtes de nouveau réunis, trouvons les autres animaux. Ils doivent se sentir aussi seuls et aussi tristes que vous l'étiez. Si vous les trouvez, vous n'aurez qu'à appeler Morphel. Oh oh oh! Morphel, déplace les rails du train sous l'éléphant. Pfiou! Génial! Maintenant, allons chercher les autres. Waouh! Super coiffure, le lion! Oui! Maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver la girafe. Oui! Te voilà, girafe! Vous voyez les singes? C'est bien plus amusant quand on est tous ensemble. Maintenant, allons à la plage! Au revoir, girafe! Au revoir! Ouais! On a réussi! Oui! Oui.